monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Breath of the Wild. Aujourd'hui, nous étions en train de chercher des stèles. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai commencé ici, puisque c'est là-bas que je veux aller. Non, mais c'est pour commencer à faire une petite introduction, montrer que t'as un loup, il est trop beau ton loup. Bah, au revoir ton loup déjà, en fait. Mais non, regarde, là, si je me téléporte ici, peut-être que... Non, c'est mort. Non, c'est pas mort, j'ai espoir. C'est mort. Non, j'ai espoir. Ouais, bon, ça va, en fait. Mais est-ce qu'il va venir ici parce qu'on entend la musique? Eh oui! Eh, c'est bon, c'est bon. Oh, un champignon. Wouhou! Il y a même un renard, tu vois. Ah, bah c'est pour ton loup, justement. Bref, alors qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau aujourd'hui? Tu vas chercher tes stèles là-haut. Voilà. Bon, c'est quoi cette façon de nager? Je sais pas, mais qu'est-ce que c'est lent? Oui! J'ai toute la panoplie. Je suis un véritable lien. Non, tu n'as pas le chapeau, n'importe quoi. J'aimerais bien avoir de la stamina une fois arrivé à la cascade. Ah, c'est bon. Oui, c'est mieux de remonter la cascade ici. Au revoir, vous. Ah, il est là. Ah, oh, il y en a une autre. Ouais. Ah, ok, c'était un oiseau. J'étais en train de dire, il y a un truc. Oh, le gros poisson. Oh, il est plus là. Dommage. Est-ce que je vais mourir? Mais non. Est-ce que tu penses du fait que remonter des cascades, ça n'utilise pas de stamina? Tant mieux. T'imagines, tu te noies en plein milieu. Bah, en même temps, vu la taille des cascades, t'imagines, t'arrives là au début du jeu, tu peux pas le faire parce que... D'ailleurs, on a plus de vie. Ah, c'est beau, j'arrive au lever du soleil. Au revoir, Loulou. Oh, tu vas attaquer le cochon. Non. Le comment déjà là? Le facochon. Le sanglier, s'il te plaît. Ok, c'est une magnifique performance. Donc voilà, cet endroit. Il y a une stèle ici, apparemment, c'est ça? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cet endroit, on dirait que ce sont des morceaux du temple du temps. C'est comme l'espadon des statues Gerudo. Il y a quelqu'un qui est venu, il a tout explosé et jeté loin. Il est reparti après, genre. Non, en fait, si je suis revenu, c'est que, après inspection, cet endroit ne sert pas à rien. Il y a un coffre, quand même. Alors maintenant, qu'est-ce que ce coffre contient? Des bêtises. Des bâtons. Mojo. Bravo, vous obtenez votre casque Zora. Utilisez la tornade dans l'eau. Wow. Il permet de nager encore plus vite et d'utiliser l'attaque tornade dans l'eau. Quoi? Attends, mais du coup, si on a le casque maintenant, ça sert à quoi la quête des stèles? Voilà. L'attaque tornade dans l'eau. Comment ça on fait des attaques tornades dans l'eau? Attaque tornade. Voilà, regarde. Attaque tornade. Maintenant, je peux tuer des octoroks. Moi, ce que je trouve triste, du coup, c'est que tu vois, t'as des trucs qui sont... Ça va pas très loin. Moi, ce que je trouve triste dans ce jeu, c'est que du coup, voilà, t'as des trucs. Genre, voilà, ça, par exemple. Voilà, t'as une panoplie Zora, t'es content. Mais tu peux pas le mettre tes... Maintenant, tes piercings, là, au Saphir Zora, servent plus à rien. Oui. Et c'est triste dans le sens c'est que... C'est pour ça que c'est bien qu'on a été chez les Gerudo au début, comme ça on peut profiter un peu. Je comprends pas en fait pourquoi ils ont pas mis les pouvoirs annexes, enfin les chapeaux annexes, comme étant le même pouvoir que celui des Zora, genre bon bah voilà, c'est pas grave, c'est le même truc quoi. Mmh. Ah voilà, j'ai perdu mon loup. Ah oui, c'est vrai que quand on s'est promené ici, on a vu qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient faire des quêtes. Genre elle. Ah. Y'a. Lilien. Qui aurait cru que vous parviendrez à apaiser Ruta? Vous n'êtes pas le premier à le bienvenu. Ça vous intéresserait de relever un autre défi? Exterminer l'inox! En mettant de l'ars. Très bien, bonne chance. Enfin, ça devrait pas être non plus la mer à boire pour celui qui a sauvé le domaine Zora. Je compte sur vous. Pas de problème. Donc il reste encore un gars aussi. Oui, mais moi c'est surtout lui que je veux voir. Kof kof! Or, tu veux quelque chose, Link? Que se passe-t-il? T'as pas encore trouvé toutes les pierres de mémoire? Je peux t'indiquer un endroit où se trouve encore, hein? Vas-y, dis-moi tout. Laisse-moi réfléchir, ça y est, je me souviens. Bien, on doit chercher près d'une falaise au sud-est du plateau Zoran. Tu veux que je relance le dé? Non, on va le noter dans notre carte.
Le sud-est du plateau Zoran. Le plateau Zoran. Plateau Zoran, là, le plateau de Ruto, chaîne de 16, peut-être plus haut. Cascade. Là, il y a l'étang de Lars, faut que j'y aille. Étang de Zélo. Le Mont Gongul. Mais oui, non, mais le Mont Gongul, je sais pas ce qu'il fait là, non, mais. Bon, le plateau de Zoran. Il n'existe pas ton plateau de Zoran, monsieur. C'est clair. Il y a le plateau de Jarbu. Ah, peut-être plus haut encore. Plateau Tartare. Plateau Mikau. Ah, il est là. Le sud-est. Donc, du coup, c'est vers là. J'ai plus de. Mais il y en a plein là qui. Voilà, il y a t'as le jaune que tu peux reprendre. Et en fait, et je crois que c'est. Il est où le bleu? Le bleu, bah c'est pas celui que tu. Non, ça c'est le violet. Le bleu, il est où? Oui. Je veux dire. What? Alors apparemment, il existe. Ah, il est peut-être plus haut. Regarde plus haut. Il y a rien du tout plus haut. Bah ouais, mais non, mais le bleu, il n'existe pas. C'est. J'avais pas vu, mais on l'a en fait. Mais non, on l'a pas. Qu'est-ce qu'on en a fait de notre marqueur bleu? Ça brille bien, ça fait une petite ligne bleue. Il y a trop d'icônes bleues. Il est là. Qu'est-ce que tu veux faire à Faroria? Non, je pense que c'est moi qui avais mis ça quand je cherchais mon dragon. Bon, qu'est-ce que t'as de beau à me dire encore? Ah, tu voulais quelque chose, Link? Que se passe-t-il? T'as pas encore trouvé toutes les pierres de mémoire. Je peux t'indiquer où se trouve une pierre. Vas-y, dis-moi tout. Laisse-moi réfléchir, je lance mon dé. Bien. Je dois chercher dans un bosquet à l'est de la chaîne de 16. Ok, allez, vas-y encore. Laisse-moi réfléchir. Bien. Pas du sommet du mont Ruto. Non, ça va aller. Ah mince, en fait, il fallait. Bon, c'est pas grave. La chaîne de 16, je l'ai vue, elle était quelque part par là, à l'est. Bon, bah. Alors, est-ce que t'es aussi doué que moi? Et le mont Ruto? Bah, le mont Ruto, il est là, il faut juste aller au sommet, ça va. Pas dur. Est-ce que je lui demande le dernier pour la forme? Allez, on lui demande le dernier pour la forme. Mais quelque chose! Et puis là, tu vas passer tous ceux que t'as déjà. Alors, tu dois chercher près du sommet. Ah, non, tu me l'as déjà dit! Ah. Bah, ça tombe bien, je dois y aller. C'est bon, j'ai tout marqué. Merci, monsieur. Alors, il y avait une autre quête. Bonhomme qui veut une quête. Alors lui, je sais pas où il est, parce que c'est un monsieur en tout cas. Ça, c'est une dame. Je crois pas que c'était sur un pont. Non, il est là, quelque part, en train de se promener ici. Ah, c'est le matin. C'est peut-être lui là-bas, là. Ah bah tiens. Wow. Ah, monsieur. Attends, je suis occupée avec les grenouilles. Ouais. Maman m'a dit de... pas encore rentré de la pêche, alors j'attrape des grenouilles tempo et je les vends pour gagner de l'argent à sa place. T'as de la peine pour moi, hein. Allez, aide-moi à travailler des attraper des grenouilles. Je suppose que j'en ai déjà. Grenouille. Une grenouille, deux grenouilles. Hein? T'as pas assez de grenouilles tempo, monsieur, t'en as que deux. Grenouille, ça aime pas le soleil. Ok, désolé. Ah, le truc, c'est quand je me suis servi de grenouille tempo, je crois, pour améliorer notre armure en fait. Ah, c'est lui là-bas, je crois, là, lui peut-être. Ouais, voilà, tu vois, je le reconnais. Oh. Putain, c'est calmé pourtant. Ah, c'est toi, Link. Excuse-moi, je pensais à voix haute. Un problème? Bien, c'est ma femme, Majorie, elle est partie seule et n'est toujours pas entrée. Alors que Varuta venait de se réveiller, elle pêchait comme son habitude. Et bien que la créature divine soit à nouveau calme, elle n'est toujours pas de retour. Ça craint de pire si seulement je l'avais retenu. Misère. Je vais la chercher. Link, d'abord tu sauves le domaine Zoré, maintenant tu proposes d'aller chercher Majorie. Ah, mais t'es digne d'être un prodige, je m'en veux de faire appel à toi, mais je t'en supplie, ramène-la à la maison. En fait, je viens de me souvenir qu'il y avait autre chose qu'on devait regarder dans ce domaine Zora. Est-ce que je peux passer par là? Ah oui, ok, je vois. Ah, c'est peut-être par là en fait. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas terminé la quête, en fait. Voilà. Ça y est, ils se sont rencontrés. Hi, hi, hi. Ah, c'est toi.
Mabou, c'est lui. C'est lui qui veillait sur mes mots quand il voguait vers toi au fil de l'eau. Ah, mais c'est toi! Comme tu peux le voir, j'ai réussi à rejoindre Domaine Zora, ça n'a pas été facile. Tu vas rire, mais je crois que tu m'as aidé à trouver le courage et l'obstination qu'il fallait pour rencontrer Alphine. Merci d'avoir trouvé mon nouvel ami. Tiens, Mabou et moi tenons à t'offrir un petit quelque chose pour t'exprimer notre reconnaissance. Oh, wow. Pas mal. Mabou, il faut que tu nages et que tu escalades des falaises pour devenir un aventurier encore plus intrépide. D'accord. Est-ce qu'il disait d'autres trucs? Tiens, t'es là. Merci de m'avoir aidé l'autre jour. Je discute de choses importantes avec mon meilleur ami. Comme s'il a des frères et sœurs ou des trucs dans le genre. Le village Goron, il fait une température effroyable. Ça veut dire qu'il fait très très chaud. J'adore écouter les histoires de tes aventures, Mabou. Allez, raconte-moi d'autres. Bon, ah oui, non, je devais aller... Bah, t'as plein de choix. Soit tu vas aller là, soit tu vas aller là. Je vais essayer de voir Inox. Inox, il est au sud de l'ouest. Oui, je sais pas trop vers. Je pense qu'il faut passer par la cascade de Serra. À moins que j'aille là parce que c'est au nord et que j'y retournerai pas, en ouais. fait. Je vais plutôt faire ça. Ah oui, j'aimerais escalader ça aussi. Bon, je le ferai après. Si ça se trouve, c'est même pas moi qui le ferai, du coup. Allez, courage. Termine tes quêtes au domaine Zora. Je pense que ce sera plus facile si j'escalade la cascade. Bah oui. Après tu fais le tour, t'es contente. Ah, je pensais pouvoir remonter pendant que j'étais dans la cascade, mais ça marche pas. Dommage. Non, 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 il faut être super précis, entre guillemets. Je pense pas vraiment être précis, du coup, mais... Je me comprends. Oui, en fait, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Allez, j'utilise plein de stamina. C'est passionnant de monter des cascades, dis donc, avec toi. Merci. C'est fabuleux ce qu'on voit là aussi. On dirait que tu fais du surplace. Oui. Ah non, il pleut. Heureusement que j'ai remonté la cascade, du coup. Mais non, il pleut pas, c'est la cascade qui fait de l'eau. Regarde là, tu peux faire pop ton loup là. Ok. Allez, le loup, en plus tu vois là, il y a des méchants. Tu vas perdre face aux méchants si tu fais pas pop ton loup. Parce que ton armure Zora elle est nulle. Quand il veut. Regarde là, tu vas perdre là, ça y est, t'as pas fait pop ton loup, tu vas perdre. Heureusement ton loup il est arrivé au bon moment. Ah bah oui, mais. Peut-être changer d'arme. Je veux peut-être pas mettre une épée de feu pour une épée de feu. Ah, ça c'est bien. Oh bah, et voilà, bah oui. Hein, le gars il se bat avec des machins, il te donne des flèches, c'est normal. Mais on a déjà eu cette réflexion avec ce même, les Alphos. Pas faux. Eh, mais je suis juste à côté de mon point. Bah oui. Tu vois, finalement, il y a vraiment un truc. T'as raison, il pleut pas pour de vrai, je glisse pas. Ah, j'allais dire, en fait, tu glisses pas parce que t'as l'armure, mais non, même pas. À quand l'armure qui permet de pas glisser sous la pluie? Ça devrait être l'armure d'escalade, très améliorée. Mais non, mais oui, mais il y a plein de trucs. Que ça aurait été plus logique, mais bon. Moi, elles sont où les lumières bleues? Enfin, en fait, c'était. À l'est. Au sud de... au sud-ouest ou au sud-est, je sais plus. C'était à l'est. Ouais, sud-est. Okay. Du coup, c'est quelque part sur ces collines. Parce que ça, c'est le plateau. C'est très intéressant. J'ose pas descendre parce qu'après, je pourrais pas remonter. Il va pleuvoir pendant très longtemps. Peut-être ici. Il y avait des trucs. Tu parles des minerais, mais. Quelqu'un qui gargouille. Ah, c'est le moblin, il a faim. Peut-être que finalement il faut descendre là. Non. Non, non, je pense pas là, mais.
Mais où est-ce que tu vas? Là, il veut se battre, il veut se battre, il veut vraiment battre contre moi. T'étais vraiment sûr de toi? Il est mort en deux coups? Bah, il pleut, je fais de l'électricité, je pense que là je suis plus trop à l'est. En fait, c'était pas à l'est, c'était au sud-ouest. Non, c'était à l'est, j'en suis sûr. Mais je suis peut-être trop à l'est. Bah, de toute façon, tu peux longer et puis au moment, tu finiras bien par tomber dessus, je suppose. Oui, j'ai que ça à faire. Ah là là, tu les as pas placés aussi bien que moi, hein. Moi c'était bien placé, tout pile à l'endroit où c'était. Et là je remonte au nord, alors je sais pas. Soit c'est plus bas, genre là, ici. Non, ça m'étonnerait, là c'est vraiment des pierres. Il pleut de plus en plus fort, et ça va être comme ça jusqu'à 16h. Ah, c'est beau la quête de recherche. On dirait que je vais glisser par terre. Non, parce que là, si on regarde le nord, je suis au sud-est, je suis bien là. Mais là, effectivement, il n'y a bien que des rochers. Finalement, je vais devoir descendre dans le plateau. Bon, ça me paraît légitime qu'il soit plus dans le plateau. Oui. Là, je suis au cœur du plateau. Toujours des minerais. Des lézales. Mais il est sérieux, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'autre, il est en train de te viser. Et puis lui, il se dit, ouais, non, c'est normal, je vais rien faire. Après tout, ça lui arrive souvent d'essayer de viser des gens comme ça, à côté de moi. Non, non. Le chemin, c'est sympa. Et je veux bien les griffes, on sait jamais, on s'en sert pas, mais on sait jamais, un jour on en aura besoin, t'inquiète pas. Là je suis un peu trop haut. À moins que je reste dans le plat. Waouh, ils ont l'air contents. Hey, vous voulez bien me dire où est la stèle? Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, il y a des jolies armes. Ah, les pauvres machins. Tu les massacres sans aucun respect. En même temps, je demandais juste mon chemin. Bah ouais, mais ils t'ont rien fait, alors pourquoi tu les as attaqués? Tu demandes ton chemin en les frappant, toi? Mais non. Bonjour, il est où le chemin, là, pour aller à la boulangerie? Je peux pas vous répondre. Waouh, j'ai bien dérivé. Effectivement. J'espère qu'il y aura une lune de sang juste pour tomber. Mais en plus je remonte. Je sais pas lire une carte. Oh, mais ça sert à rien de dire une carte. Et là, il y a un truc. C'est pas explosé, là, juste à gauche. Ah non, rien non. Dit. Désolé pour toi. Bon, bah, j'ai plus qu'à bien descendre dans les cailloux, finalement. Parce qu'il y a une forme qui m'interpelle et je me dis qu'elle est là. Mais c'est vraiment au sud, du coup. C'est ici. C'est juste une forme pour faire joli. Ah non, c'est plus. Vous voulez pas m'aider avec vos petites lumières bleues? Oui, mais on la verrait d'ici. Bon. Je serais restée ici jusqu'à 16h. C'est triste. Comment perdre du temps? Ah, c'est beau, là. Il fait super beau, magnifique. Quel temps? De lumière bleue. Moi, ça me paraît très bizarre quand même que ça soit ici. Oui, moi aussi. J'ai fait le tour du plateau et il n'y avait rien du tout.
Je sais pas, en tout cas, tu t'en éloignes bien là du plateau. Toujours autant de lézal. Après, si on veut vraiment dire qu'on est au sud-est du plateau, là. Là, je suis bien dans le sud-est, on est d'accord. Ton Louis se bat. Il a raison. Il a que ça à faire, lui. Lui, il a compris l'essence du jeu. J'aimerais bien pas passer une demi-heure pour chercher une stèle. Là, je suis au sud-est. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ben, explore le plateau Zoran au maximum. Même quand c'est pas le sud-est. T'as que ça à faire. C'est sympa. Un arc-en-ciel surplombe le domaine Zora. On le voit plus trop, mais on va dire que c'est plus le monde Ulinel du coup. Surtout que il y a des lumières bleues en général. On les voit. En fait, cette carte, elle nous indique mal le nord. Ah non, mais moi ça a marché très bien, c'est juste que tu sais pas placer tes machins. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Vous, il y a pas de courroux ici en plus. J'essaye de grimper au plus haut. Je crois que le loup, il en peut plus. Bah ouais, mais il en a marre, tu grimpes des trucs, tu les redescends, tu les remontes, il sait plus quoi faire lui, le pauvre. On visite. Je veux mon Korogu, ici. Ah, oui bah. Je le sentais. Ah là là, il était bien caché, lui, ce Korogu. Je suis assez impressionné. C'est pour qu'il y ait quelque chose dans cette vidéo, quand même. Wow, il s'est pas pris la pierre. Wow, un lézal. Parce que là, je suis au nord du plateau Zoran, ok? Plateau Zoran, c'est ça. Moi, j'aurais espéré que c'était ici, en fait. Mais je suis descendue. Alors, est-ce que je suis pas assez descendue? Ou est-ce que c'est trop bas, quand même? On essaye de voir. Hein. Parce que là, on est super loin du domaine Zora. Oui, mais ça s'appelle toujours Zoran, donc ça va. Je vais finir dans un arbre. Pourquoi il y a des chauves-souris électriques? Elles y étaient pas avant. Oui, mais maintenant elles y sont et c'est tout ce qui compte. Fais attention parce que ton loup il va essayer de les attaquer. C'est pour ça. Mais voilà, non. Ça y est, elle a déjà commencé. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Ça? Des minerais? Ouais, c'est juste des minerais, ok. Voilà, et donc du coup je me disais là, et ok, il n'y a rien du tout. Merci. C'est cool de votre part. C'est quoi, il faut descendre en fait? C'est encore plus bas? Je fais le tour, hein, on sait jamais. Oui, c'était en bas en fait. Oui, alors on vous dit le plateau Zoran, mais en fait c'est pas du tout le plateau Zoran. C'est juste là. C'est plutôt... ben du coup à l'ouest du domaine Zora. En fait c'était pas lui, hein. Mais lui on l'a jamais vu, je crois pas. Le récit d'un tailleur de pierre. Le roi d'Orefa en personne m'a ordonné d'ériger des pierres de mémoire. Ah non, c'est pas le roi qui se balade, du coup je suis déçu. Mais il est trop gros pour se déplacer. Le texte à graver était trop long et ne pouvait pas tenir sur une seule pierre. Quel problème! Certains m'ont conseillé de raccourcir le texte, mais toucher aux augustes mots de sa majesté serait un sacrilège. J'ai donc décidé de le diviser en chapitres et de graver 7 pierres. Voilà comment j'ai résolu ce problème. Ah, c'est pour ça en fait, il y a 7 pierres gravées par le tailleur de pierre et 3 pierres gravées par le roi. Et le roi, il sait pas écrire, c'est les pierres où c'est mal écrit. Fort de cette brillante idée, j'ai continué sur ma lancée et j'ai aussi gravé des pierres à la gloire du roi et du prince. Ah non, en fait, du coup, les 3 pierres, c'est juste lui.
me suis permis de prendre cette initiative, mais il m'était inconcevable de ne pas relater leurs exploits. Mais avec ces deux nouvelles pierres, j'arrivais à un total de 9 pierres, ce qui n'est pas un compte rond. Je me suis alors dit que j'aimerais que ma brillante contribution soit reconnue et j'ai gravé cette 10e pierre. J'ai eu du mal à trouver un emplacement pour chacune de ces pierres. Et elles se retrouvent un peu éparpillées. Mais c'est bien, c'est un moindre mal, tout est bien qui finit bien. C'était la 10e pierre. Ah, du coup, c'est lui qui a tout gravé. Déçu. Quelle belle histoire. Attends, d'ailleurs, on va enlever ce marqueur. Allez, tu vas pouvoir aller affronter ton Inox. J'aimerais bien, oui. Au revoir, loup. Encore une fois. Toujours abandonné, ce pauvre loup. C'est vrai que je pourrais mettre, pour être sûr. Non. Voilà. C'est au sud de l'étang de Lars, ne l'oublie pas. Bah, ça a l'air petit l'étang de Lars, je pense que je le verrai. C'est super joli de loin, le... Ça. Le sanctuaire. Ok. Je pensais que tu parlais du mammouth. Ouais, le mammouth aussi, si tu veux. Mais surtout là, avec les petites constellations. De loin, ça faisait des petites étoiles qui brillent. Ah oui, ton loup est parti, du coup. Mais non, regarde, il s'est juste téléporté, comme d'habitude. Il est retourné dans son monde. Voilà tout. Il aime bien retourner dans son monde. Bah ouais, il dit il est mieux là-bas qu'ici. Donc ça va être quoi, un inox rouge? Je pense, oui. C'est un bébé inox. Mais non, c'est pas un inox rouge. C'est un blanc? Non. Ah non, il a l'air normal. Oh là 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 là. Oh, ça a brûlé. Pas drôle. Oh, il t'a tué. J'avais que deux cœurs. Va voir. Non mais oh. N'importe quoi cet inox. Il me fait utiliser le pouvoir de Mifa. Ah, la hallebarde royale. Incroyable. Oh, je veux ça. Qu'est-ce que je jette? Et il a que des armes royales. Vas-y, comment tu lui as volé sa nourriture? Mais ah, il le mangeait. Pardon. Donc, qu'est-ce que je jette de beau? Bah, t'as ta baguette météore qui va se briser. Ok, bah, poubelle. Bon alors, elle est où cette pierre? Le sud de l'étang de Lars, elle est... Ça a l'air proche. Qu'est-ce qui tue mon loup? Un renard. Le nord c'est par là, donc le sud c'est par là. Donc si je cours dans cette direction, je vais tomber sur une pierre. Non? Non, mais c'est encore son coup de... C'est pas sur l'étang, c'est en bas. Oui, je vérifie. Il doit être là. C'est joli ici. Forcément là. Wow. Rien qui ressemble à une pierre pour l'instant. Ah si, elle est là-bas. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Les octorocs. Ah. Vas-y donc, vous gardez bien cette pierre. Vous en faites pas, je veux juste la lire. Wouah, l'histoire des Zora, chapitre 1er. C'est le premier chapitre. L'éternel domaine Zora par Dorepha, le roi des Zora. De tout temps, la région de la neige a été arrosée par des pluies abondantes et regorge d'eau de source. Tous les Zora à la recherche d'eau convergèrent sur ces terres, c'est il y a 10 000 ans qu'ils y bâtirent une ville. Le minerai abondant de la région, les habitations y furent construites en pierre et la taille de la pierre se développa. La ville a évolué jusqu'à devenir le grand bâtiment qui constitue le domaine. D'aucuns n'hésitent pas à se qualifier ce fleuron de l'architecture Zora de sculpture. Elle est la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté. Je lis un truc. Et tu t'es fait avoir. Regarde, il est content. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Décimer tous ces élésales.
Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais pourquoi il a jeté son arme, lui? Il préférait l'autre. Voilà, j'ai tué tous les lézales. Oh, plein de flèches. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, bah merci à vous. Merci à toi d'avoir fait cette vidéo et à bientôt. J'ai rien fait. J'ai passé mon temps à parcourir un plateau qui n'avait rien. Kourougou. Je suis déçu. Non, t'as trouvé un Kourougou et ça, c'est beau. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt.